pour les Valences, petite ville en périphérie de Valence qui se démarque par sa politique commerçante. Il fait bon vivre et c'est dans cet environnement tout proche du Rhône et de l'autoroute A7, sur cette avenue que l'on nomme le Quai Tanaron, que se situe le bistrot loco, ce bar à tapas où l'ambiance conviviale rime avec bonne humeur. On y mange, on y danse, on y chante et surtout on s'y amuse. Lionel Monnery, patron du bistrot loco, a ouvert ses portes aux caméras de Mistral TV et à notre animatrice Emmanuelle Pedrero. Nous sommes le 28 avril 2014, jour de l'inauguration de l'établissement. Bonsoir Lionel, donc ce soir nous sommes ensemble pour fêter l'inauguration de ton établissement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet, de ta passion et de ce que tu nous présentes aujourd'hui en fait ? Donc aujourd'hui on va faire une petite dégustation comme ça de tapas. Il y a poulet à la moutarde, il y a des petits poivrons, des feuilletés fromage, il y a des petits feuilletés saucisses, il y a un poulet à la basquez, il y a du chorizo, il y a du jamón serrano d'Espagne, d'accord. Il y a des petites tomates mozza en mignardise. Voilà, plein de petites choses à croquer. On va faire ça midi et soir. Avec un peu des bons rhums et des bons vins. Voilà, on va essayer normalement d'ouvrir tous les jours. Sinon, ça sera du mardi au dimanche, avec un petit brunch les dimanches pour le printemps. Enfin, l'été là qui arrive, le printemps est passé, mais dès que le soleil est là, on va bruncher. D'accord, donc on est en version espagnole à la valentinoise, donc sur des tapas, de voilà. La fête, l'ambiance conviviale, l'ambiance voilà. En famille, etc. Un peu de salsa, de latino, bachata, un peu de disco pour les... Pour les vieux comme moi, et puis voilà quoi, un peu de bonne humeur on va dire. D'accord, donc c'est toi qui es aux cuisines en fait ? Pour le moment oui, d'accord. Donc bientôt non parce que normalement je suis à côté au live, mais jeudi, vendredi, samedi, oui. 19h, oui. Les trois soirs, oui. Buffet dînatoire offert. D'accord. Jeudi, karaoké, disco, années 80, vieille musique, un peu d'accord. Kitsch. Vendredi, cours de danse avec Terris, rock'n'roll, salsa, latino, et puis une petite nouveauté, c'est du West Coast. Donc une danse qui est un mélange de rock'n'roll, de swing, de salsa, d'accord. Portoricaine, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc ça se danse à deux, et puis sur des musiques actuelles. Et le samedi, c'est ou concert, ou apéro karaoké, avec après soirée clubbing jusqu'à 4-5 heures du matin. D'accord. Et le jeudi, vendredi, on arrête vers 3-4 heures. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu de ta clientèle Voilà, des vieux comme nous. Des vieux comme nous. Voilà, en général, ça va de 25 à 60 ans. D'accord. On prend pas trop de jeunes. Quelques exceptions, fils d'eux, copains d'eux. D'accord. J'ai rien oublié, cousine d'eux, tonton d'accord. D'eux. D'accord. Et voilà, sinon, ouais, plutôt, on est plutôt dans les 30-60 ans. D'accord. Voilà, petit club intimiste. D'accord. Okay. Convivial. D'accord. Donc, on s'accorde à dire que l'ambiance est plutôt bonne enfant, c'est plus de l'ambiance conviviale, les voilà. Gens qui se connaissent, bouche à oreille, etc. C'est exactement on ça. On va te laisser faire ton métier. Allez. On va te laisser finir la soirée. Est-ce que tu nous autorises à aller voir tes convives ? Avec peut-être plaisir. Peut-être pour avoir leurs opinions et avec tu partageras plaisir. Avec nous tout à l'heure. Et pas de capote, pas de carotte. Certes. D'avis d'avoir l'avis d'une commerçante sur un autre oui. Commerçant valentinois. Oui, exactement. Alors je suis fan du life. Je suis fan du bistrot loco depuis très longtemps, voilà, et je viens régulièrement. Et régulièrement, j'offre du chocolat gel de Bruges au life et au bistrot loco. Donc tu es fan, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, comment tu trouves les soirées, qu'est-ce que tu y trouves, J'y trouve une soirée plus de mon âge. Oui. On va dire les ça, choses c'est comme pas un ça. Problème, hein, ne sois pas coupable. Ouais, voilà. J'adore Lionel et Ben parce que je les connais de façon intime, voilà, hors soirée, voilà, et j'aime beaucoup ces deux garçons, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Merci. Harold est en fait le disjockey de l'établissement où on se trouve. Donc c'est lui qui va animer les soirées, qui va mettre l'ambiance, etc. Et il est en binôme en fait à la fois sur l'établissement, donc le bistrot loco, et à la fois sur le live. Donc on va le laisser échanger un petit peu sur les soirées, sur l'envie qu'il veut donner un petit peu à la thématique. On va le laisser se présenter tout simplement.
Donc Harold, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu es là et ce que tu y communiques, etc. La passion que tu communiques aux gens. Alors je suis apprenti DJ, je suis à l'école des DJ à Lyon. Génial. Ouais. D'accord. Et j'apprends le métier de DJ ou un truc comme ça et j'ai trouvé le life. Ouais. Et ils m'ont dit oui, ils m'ont fait confiance. Ouais. Et je suis là aujourd'hui. Et quand il y a une soirée au bistrot, je viens ici. Et quand il y a une soirée au live, aussi. Ça se passe bien. C'est des bons patrons. Tu peux nous parler un petit peu de ta formation ? Donc l'école, c'est une école à part entière. C'est une école qui t'offre une école diplômée. Enfin, à la fin, j'ai un diplôme. De quel niveau ? J'ai un diplôme de niveau 4 à la fin. Enfin, si je gagne mon concours. On va le croiser les doigts ? Ouais, enfin, le diplôme en lui-même, c'est animateur musical et scénique. Donc à la fin je serai dans, enfin j'utilise de tout, je vais utiliser du DJ, du light et aussi de la vidéo, on fait aussi de la vidéo donc ce qui est bien. Donc t'es multi-support en fait. Multi-support, on apprend aussi à faire, à créer une soirée, à faire des fly, à parler au micro, à comment bien s'exprimer. Donc ton métier ça veut dire que c'est un métier de passion, c'est un métier de stratégie parce que c'est un métier avec un cahier des charges. C'est un métier où il y a des choses à apprendre, etc. En DJ, vous avez toujours à apprendre. On a toujours. On peut avoir les mêmes bases, mais pas mixer de la même façon. Vous voyez ? D'accord. Et c'est un métier où il faut être passionné. On ne peut pas dire qu'on va le faire comme ça. Et toi, Harold, en tant que personne, est-ce que tu as, je sais pas, une ambiance, une catégorie de personnes que tu affectionnes et qui te donne un petit peu l'envie d'aller plus loin dans ton métier ? Pour l'instant, c'est plus de 25, vu le life, c'est plus de 25 ans. Attention à ce que tu dis, Harold ! Elle aussi. Non, je te parle de toi, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu affectionnes ? Est-ce que tu as une passion qui te motive ? Enfin, une musique ou une rubrique ? Moi, ce que j'aime, c'est faire danser les gens. Les faire plaisir. J'adore la sensation quand ils sont en train de danser et ils disent que il est bon. Enfin, je sais pas, T'aimes l'énergie en fait, tu aimes l'énergie que les gens te procurent par rapport aux soirées que tu. Qu'ils ont eu le début de semaine et leur faire plaisir quand ça arrive le week-end. D'accord, donc tu aimes les gens, que le retour des gens en fait, toute l'énergie que ça peut te procurer dans la soirée. D'accord. C'est ça. L'ouverture du bistrot locaux fait des émules parmi les 30-50 ans. L'ambiance agréable qui s'y dégage permet à tous de décompresser d'une grosse journée passée. C'est le temps où chacun prend du plaisir à partager un bon repas et un petit verre modéré jusqu'à la fin de la soirée.